Kita lagi mau bikin pork babi panggang grill pork. Quand elle dit du point de large, toi, on est gros de même. Hein? Moi, c'est du XXL, XXXL. On va l'enlever. Oui, mais on est large. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, my life had found its missing piece. So as long as I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, will love and cherish. You look so beautiful in white. Messieurs frères, estimés belles-sœurs, tantes et oncles, Richards et Désiel, celles et ceux qui ont eu la bonté de s'unir à nous, bienvenue à toutes et tous. Merci d'être ici. Je félicite particulièrement ceux d'entre vous qui rencontrent Luciana pour la première fois aujourd'hui. Merci au nom des mariés, mais merci en mon nom propre également de vous voir ici, témoignant par là de l'importance que vous accordez au mariage de Luciana et de mon frère. Ça fait naître en moi une grande joie du genre qu'on ne peut pas vraiment décrire. Merci d'être là, malgré le temps qui passe, malgré la distance qui sépare. Et parlant de distance, je vous fais un petit merci supplémentaire parce que vous avez quand même la lourde tâche aujourd'hui, vous faites ça super bien jusqu'à maintenant, d'avoir un cœur qui est deux fois plus gros, deux fois plus grand pour l'occasion. Je me permets de vous rappeler que, à votre compassion, que la famille de Luciana, bien entendu, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Elle est à plus de 15 632 km de nous en ce moment, très probablement dans une tempête hivernale, à déneiger la voiture sans aucun doute, à changer de lave-glace, c'est certain, à répandre du sel sur le balcon en sacrant, c'est sûr. On ne peut pas les faire apparaître aujourd'hui, mais on peut quand même donner un signe de notre respect en levant notre verre, s'il vous plaît, et en leur dédiant une gorgée. À la famille de Luciana. À la famille de Luciana. Merci beaucoup. Pour ma part, en tenant compte du fait que je suis une sorte de pseudo-célébrant,
qu'on est au Québec, et même si on n'est pas très religieux, on a quand même été, on a bâti nos villes et nos villages autour des églises, en tenant compte de la foi sincère de Luciana. Je vais toucher à quelques moments à la Bible par égard, un peu par ici, un peu par là, pas grand-chose. Simplement pour vous dire, précieux frères, estimés belles-sœurs, à quel point votre mariage est un moment tournant, à quel point il est une union qui est mystérieuse et en même temps magnifique, et à quel point il parle d'amour à nous tous et à vous. Un moment tournant, c'est un peu évident et en même temps, ça ne l'est pas vraiment. Le mariage, c'est un moment tournant qui oriente la vie d'un peu de la même manière qu'une naissance ou qu'une mort, mais à la grande différence que c'est un choix qu'on fait librement. Je suis très privilégié de pouvoir nommer ça, de pouvoir le nommer avec vous. Est-ce qu'on doit vraiment le rappeler? En vous mariant, vous faites le même geste qu'ont fait nos ancêtres à tous, tous nos ancêtres depuis la nuit des temps. En réalité, c'était déjà une vieille institution du temps des Grecs. C'est quelque chose. Pourquoi? Parce que peu importe le pays, peu importe le temps, on reconnaît facilement que toute la suite du monde passe par l'union, l'alliance, la confiance, la loyauté, la fidélité, l'amour. En bref, l'avenir n'advient jamais que si on se tient les uns les autres. C'est là-dessus qu'on fonde des familles, c'est sur les familles qu'on fonde des peuples, qu'on fonde des civilisations. C'est très simple et en même temps, c'est très beau. De tout temps, partout, on a voulu rendre ces unions-là sacrées et ici, on appelle ça le mariage. Voilà. Une réunion. Ça aussi, ça paraît évident, puis ça ne l'est pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui s'unissent à travers vous aujourd'hui. Votre mariage, c'est avant tout votre union à vous deux, c'est clair. Mais il réunit ensuite des familles. Il a été proclamé officiellement à la face de la société, inscrit dans les registres à tout jamais. Par lui, vous rejoignez la société en revêtant un nouveau visage, une nouvelle identité, une nouvelle personnalité ensemble. À la fois tourné vers la tradition et vers l'avenir, votre mariage vous solidarise avec ceux qui sont venus avant nous depuis la nuit des temps et avec ceux qui vont nous suivre jusqu'aux confins du temps. Ça se passe maintenant et toujours. Grâce à vous aujourd'hui. Qui pourrait croire à ça? Qui pourrait croire à ça? C'est une sorte de grandeur innommable qui nous rappelle un peu à quel point on n'est pas grand-chose quand on est tout seul, quand on est isolé. Merci pour ça. Et une réunion, dans votre cas, ça prend un sens spécial qu'il faut vraiment souligner devant la famille. Mes chers adorés, Luciana, Simon, pour arriver à tes côtés, a fait le tour du monde, littéralement. Qui peut comprendre vraiment la signification de ça? Luciana, pour que cette réunion soit possible, Simon a dû lever et continue encore à lever des obstacles géographiques et légaux inouïs, montrant par là une persévérance tout à fait admirable à laquelle, encore une fois, il m'est impossible de rendre vraiment justice avec des mots. Pincez-moi, s'il vous plaît, et encore une fois, levez vos verres, réels ou faux, en l'honneur de ces personnes d'exception. Le verset 8 et 9 du chapitre 2 du poème de Salomon a l'air d'avoir été écrit pour vous. C'est sa voix, le voilà, c'est mon amour qui vient, d'un saut au-dessus des montagnes, d'un bond au-dessus des collines, tel le chevreuil, il passe tous les obstacles. À ma connaissance, Jésus parle seulement une fois vraiment directement du mariage, c'est dans Matthieu au chapitre 19, pour dire quelque chose qui parle justement de ce genre de réunion-là. La femme et l'homme quitteront leur père et leur mère. Ils s'attacheront l'un à l'autre et tous deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. L'amour maintenant, finalement. Normalement, c'est maintenant que je lirai le chapitre 13 de Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, où il dit que quand on n'a pas l'amour, on possède absolument rien. Pire, au mieux, quand on n'a pas l'amour, on n'est absolument rien. C'est une grande vérité, c'est écrasant, mais tout le monde ici, je pense qu'on l'a déjà entendu très souvent, et on va continuer à l'entendre souvent à l'avenir. Alors, je vais prendre un autre chapitre 13, celui de la lettre aux Hébreux, où il parle du mariage également et de l'amour en termes d'hospitalité, comme si le mariage était l'art de recevoir. Puis je pense que c'est pas de type à la bullshit, ça a du sens. Donc, si je dis ça, c'est en raison que notre époque vous tente toutes sortes de pièges, notamment... On est tellement habitué de vouloir des patentes qu'on aime parfois les gens comme s'ils en étaient des patentes. Et quand une patente marche moins bien, quand elle casse, on va s'en acheter une autre, ce genre de choses-là.
De même, dans l'amour, on a tendance aujourd'hui à tellement chercher ce qu'on veut nous-mêmes que parfois, on oublie de donner. Mais donc, je pense que c'est important de le souligner à cet égard-là. L'amour, je veux dire, c'est pas quelque chose qui se vit au singulier, c'est pas quelque chose qui vous préexiste. Il existe par vous, dans votre mélange. Faites-lui confiance, réchauffez-vous auprès de lui, écoutez-le, prenez-en soin. En retour, il va vous apprendre à reconnaître le bonheur, le courage, la sagesse, la patience. C'est un excellent entraînement pour devenir parent. Finally, a man with mustache. Oh, that's the cake. Oh!